اليوم الدورة اليوم هي كالدورات الأخرى اللي دائما المهندس المعماري كنحاولوا نأطروه. وعندنا دابا مع جميع المتدخلين التدخل الأول اللي كان اليوم هو باش تهضرنا على لا كونفونسيون اللي عاد تصدقت عليها في 31 دو جانبير اللي كتشمل جميع المتدخلين في ميدان البناء. وحاولنا اليوم بين الاهداف ديال لا كونفونسيون هو اننا نحاولوا المهندس المعماري نطالعوا على المضمون ديال هاد الدوريه. فاليوم حاولنا نشرحوا لهم الكيفيه كيفاش غادي نتعاملوا مستقبلا مع الملفات وشنو هو الدور اللي خصو يقوم به المهندس، كيفاش خصو يتعامل مع النصوص القانونيه. هي حنا بالطبع خصنا نحترموا هاد النصوص، ولكن اليوم حاولنا نشرحوا لهم الكيفيه كيفاش غادي يكون التعامل مع الملفات مع الادارات اللي كيعنيها الامر. فاليوم كان حاولنا نشرحوا لهم شنو هما المداخلات اللي درنا من قبل وكيفاش تنجز هذا المشروع اللي كنسميوه مشروع فريد من نوعه على الصعيد الوطني، لانه اول جهه كتوقع على واحد المعاهده ما بيننا وما بين جميع المتدخلين، ادارات سلطه محليه وجماعه محليه، واللي حاولنا اننا باش نسهلوا الماموريه وباش نعطيوا واحد الطابع معماري جديد للمنطقه. فحاولنا نشعروا المهندس المعماري الدور ديالو في هذا العمل والعمل اللي خصو يقوم به باش يمكننا نطوروا هذا الميدان وباش يمكننا نتفاداو المشاكل اللي كتعيشها اللي كيعيشوا التعمير في المدينه ديالنا. Séminaire technique aujourd'hui, c'est de donner plus d'explications sur la menuiserie aluminium et les façades légères. Parce que au Maroc aujourd'hui, on a tendance à, les architectes, ils ont tendance à faire des conceptions architecturales vitrées. Et ça dans l'objectif et dans notre orientation au Maroc en ce qui concerne les énergies, la consommation au niveau de l'économie d'énergie. Comme vous le savez très bien, c'est que là, maintenant, on doit respecter la nouvelle réglementation thermique qui va sortir au Maroc, qui va être en application à partir du mois de décembre cette année, la RT 2012, et qui va imposer des lois en ce qui concerne les coefficients de transmission thermique pour les fenêtres, afin de permettre de faire une réduction des consommations énergétiques dans les bâtiments. Et ça c'est important parce que l'État, il ne faut pas oublier que l'État au niveau de la caisse de compensation, il est en train de financer par exemple sur nos factures des subventions au niveau des kilowatts. Donc il faut savoir que la fenêtre et la façade jouent un rôle très important dans l'économie de l'énergie. Donc par exemple en Europe, on voit vers la réglementation la RT 2002, l'État il subventionne tous les logements qu'ils ont des fenêtres qui sont en rupture de pan thermique par exemple, qui aident à la réduction de la consommation énergétique. Donc, et ça c'est notre objectif aussi aujourd'hui, puisque Strugal vient de s'installer au Maroc avec une technologie européenne tout en respectant toutes les normes qui existent en Europe en ce qui concerne ce type d'ouvrage. Et ça le plus important aussi dans notre séminaire, c'est d'apporter plus de soutien technique aux architectes et leur expliquer beaucoup de contraintes qu'on peut avoir sur les chantiers et qu'il faut les prendre en considération et qu'ils doivent les prendre en considération en avant-projet sommaire, c'est-à-dire en APS, pour qu'à la réalisation du projet, ils arrivent à faire un projet qui est bien ficelé au niveau technique et pour ne pas avoir des surprises à la fin. Et de leur dire aussi que quand vous avez par exemple une fenêtre qui a des performances et acoustiques, thermiques qui sont importantes, c'est la seule fenêtre qui se rembourse avec le temps elle-même. Puisque quand vous avez des réductions au niveau de la consommation énergétique dans les factures, c'est-à-dire que c'est votre facture, au bout de votre fenêtre, au bout de 3 ans, 5 ans, elle est payée, elle est gratuite. Par contre, à ce qui circule en ce moment dans le marché, c'est des fenêtres qui ne sont pas vraiment, qui ne servent pas vraiment à la réduction de la consommation énergétique, vu que le Maroc, ce n'est pas un pays qui est pétrolier, on n'a pas de gaz. Mais avec les directives royales maintenant, avec comme la station Nord pour l'exploitation de tout ce qui est énergétique,
c'est trop important pour nous de marcher dans ce sens. Et en général, c'est ça notre objectif pour aujourd'hui. Bueno, estamos aquí para presentar nuestros productos y nuestros servicios técnicos de asistencia de cara a los arquitectos, con el objeto de facilitarle la labor de prescripción de nuestros productos y aportarle las soluciones técnicas que creemos que son necesarias debido al elevado nivel de exigencia que conforme va pasando el tiempo vamos observando que se va detectando en el mercado marroquí. Somos un grupo industrial, llevamos más de 30 años fabricando sistemas en aluminio. Dentro de los sistemas de aluminio, por la convención, el objetivo de esta convención es iniciar el camino, es la primera vez que lo hacemos, el objetivo es de ir desarrollándolo en las diferentes zonas donde hay colegios de arquitectos en el país, con el objeto de dar a conocer nuestros servicios de asistencia técnica y acompañamiento a los arquitectos a la hora de desarrollar un edificio, aportando las mejores soluciones técnicas posibles a sus necesidades de cerramientos exteriores e interiores. Le paso la palabra a mi compañero, al director técnico del Centro Tecnológico de Investigación y Desarrollo de Productos de nuestro grupo, el señor Alberto. Hoy vamos a tratar de dar los aspectos más importantes a considerar en lo que es el desarrollo de un proyecto en cuanto a cerramiento acristalado se refiere. Aspectos de energéticos, acústicos, de dimensionamiento de lo que es una ventana y un muro cortina. Y creemos que son bastante importantes pues, para no cometer errores en proyectos y en una mala ejecución de obra. Vamos a presentar igualmente algunos sistemas para aplicar en obra, ¿vale? En función de las necesidades que tenga el cliente. Y sobre todo esos aspectos muy técnicos que un arquitecto debería tener claro a la hora de ejecutar ese proyecto, ¿vale?